Je m'appelle Agathe, j'ai 12 ans, je suis au collège des Daguets et je fais de la danse depuis maintenant 10 ans. Je fais de la danse depuis mes 5 ans. Je fais l'aisance et ça fait 2 ans que je suis en club et j'ai fait d'autres années dans d'autres clubs. Bonjour, moi je m'appelle Sohan Marais. Je suis en lycée, au lycée François Mauriac, en terminale ES, et du coup je fais de la danse. Voilà. Avant je partais du rugby, et du coup je me suis blessé à l'épaule et tout, et en gros la danse ça m'a tiré depuis que j'étais petit. Mais après j'avais peur des regards des autres et tout, mais au final j'ai tout lâché et j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont fait danser. Sais-tu ce que c'est le genre d'une personne ou d'une activité? Le genre d'une personne ou... Le genre d'une personne ou d'une activité? J'ai pas compris la question. Le genre, c'est par exemple la danse, c'est plus un sport de filles que de garçons. Coiffer, c'est plus pour les filles. Ah oui. C'est une idée qui se transmet à travers les gens dans la société. On nous dit que tout notre environnement, toute la culture est construite autour d'objets, de loisirs, de métiers qui sont plus faits pour les filles que pour les garçons. Touch my hair. Je ne pense absolument pas que la danse est faite pour juste pour les filles parce que les garçons ils ont une autre façon de s'exprimer à travers la danse. Le genre pour l'association sportive, ça peut être un problème parce que ça fait beaucoup de stéréotypes en fait. Ça fait deux catégories et ça devrait pas parce que au final on dit la danse c'est fait pour les filles, les garçons c'est fait pour faire du foot ou du rugby et il n'y a pas de métissage et ni de mélange en fait. J'aimerais que la pratique de danse soit plus mixte parce que la danse a besoin de changement et genre est un problème pour les activités sportives parce que il y a plusieurs activités et par exemple la danse peut y avoir des filles comme des garçons qui peuvent danser, il n'y a aucun souci sur ça en fait, c'est pour tout le monde.